Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'interview un artiste, donc un guitariste qui s'appelle Olivier Giry. Donc ce dernier a 5 albums à son actif. Il a également plus de 25 ans d'expérience dans la pratique de la guitare et presque autant, voire autant même sur scène. Je vous présente donc Olivier Giry. Salut Olivier. Salut à tous, bonjour Julien et bonjour à tous les ceux qui regardent cette vidéo. Voilà. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de ton parcours musical, quand et comment as-tu commencé la musique ? Alors, j'ai commencé la musique, enfin du moins la guitare, concrètement, autour de l'âge de 20 ans. Donc une passion un peu tardive, on va dire. J'ai commencé la guitare après avoir écouté un album en fait d'un guitariste qui se nomme Phil Keaggy. Je ne sais pas si certains connaîtront sans doute. Qui s'appelle Phil Keaggy. Ok. Oui, c'est un drôle de nom. Eh ben, c'est un guitariste américain. Ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui. C'est un album que j'avais acheté j'avais 20 ans à peu près, 19-20 ans. Et bon, qui a été une sorte de révélation où j'ai découvert vraiment la guitare dans le prisme instrumental et pas seulement dans le côté accompagnement ou quoi. Donc j'ai découvert vraiment ce qu'on pouvait faire avec une guitare grâce à cet album. L'album qui a été, on peut dire une révélation. C'est comme ça que je ressens les choses. C'est un album qui m'a beaucoup touché déjà musicalement par la musicalité. C'est un album qui était mis. Fingerstyle, on va dire, c'est-à-dire guitare acoustique, mi-guitare électrique, un peu les deux, donc c'était assez un album assez hétéroclite au niveau des styles. D'accord. Et cet album m'a beaucoup inspiré. Donc à partir de là, je me suis dit, je vais faire de la guitare. En tout cas, ça a été le début de la passion, quoi. Ensuite, j'ai acheté une première guitare qui était une vieille guitare des années 60 avec les cordes à sa dimanche, très confortable à jouer, très bien pour se faire les doigts. Ouais. On a tous connu ça, je pense, avec un vieil ampli qui était un Stilson, un ampli où il y avait qu'un son clair avec 3 boutons. Enfin, non, c'était vraiment. Donc j'ai commencé un peu comme ça, sans aucune base. Hein. C'était vraiment. Je me lançais dans le. Alors bon, j'avais compris que bon, voilà, il fallait mettre ses doigts sur les cordes pour faire sonner. Ça, c'était voilà. C'était... Et puis j'ai commencé comme ça. Donc en fait, tu es totalement autodidacte. Oui, je suis autodidacte. Oui. Donc ouais, la démarche, elle était assez, on va dire, c'était anarchique un peu au début. Il faut bien dire ce qui est. D'accord. Mais vu que j'avais pas de base, ce qui était assez marrant, c'est que je me suis vite mis à composer en quelque sorte, à faire des trucs vu que j'avais pas, je dirais, le niveau pour relever pour lire des partitions ou même des tablatures, je connaissais même pas. Donc c'était je composais des trucs, enfin des trucs, je sais même pas si on peut appeler ça composer, mais c'était des trucs qui à mon oreille sonnaient et puis voilà. Voilà, t'explorer en fait juste avec toi et ta guitare, et c'est tout, quoi. Tu n'avais pas vraiment de support, quoi. Ouais, j'explorais l'instrument, en fait, tout bêtement. Et puis, bon, après, j'ai acheté une guitare acoustique très peu de temps après. Et puis, bon, j'avais un ou deux amis quand même qui étaient musiciens, dont un ami à l'époque qui faisait beaucoup de picking. Donc, ouais. Ça m'impressionnait. Donc, et puis, bon, donc ces amis-là me montraient les premiers accords, placer les doigts, le fameux mi mineur, voilà, etc. Donc, bon, commencer à apprendre les accords. Et puis, les gammes aussi, un ami m'avait montré la première gamme pentatonique, la fameuse pentatonique, la gamme du blues. On est tous passés par là, ouais. Voilà, et qui reste, et donc, ça s'est passé comme ça, d'une manière un peu anarchique, mais néanmoins efficace. Après, je suis dans la démarche d'autodidacte. Alors, c'est vrai que c'est une démarche où on va peut-être un peu plus lentement. On explore un peu des chemins de traverse. Par contre, moi, j'ai beaucoup travaillé à l'oreille et je travaille encore beaucoup à l'oreille. Donc, je lis pas de partition ni de choses comme ça. Hein. J'ai pas eu cette patience-là d'apprendre d'une manière scolaire.
Oui. C'est-à-dire qu'en fait, ma démarche, elle n'a pas été scolaire. C'est donc ça, c'est un chemin. Le chemin de l'autodidacte, il est comme ça. On y va un peu au feeling et puis on voit ce qui se passe. Mais bon, du coup, ça fait, je pense, beaucoup développer l'oreille. C'est aussi une bonne chose. Voilà. Donc, Oui, mais j'ai effectivement, pas spécialement. il y a des bonnes choses qui sortent du fait d'être autodidacte, ça j'en suis convaincu, hein. Mais du coup, est-ce que tu as eu tout de même, est-ce que tu as rencontré des gens qui t'ont montré plus tard, enfin peut-être à la manière d'un professeur, des gens que tu as rencontrés sur scène ou des choses comme ça, peut-être que tu as aussi progressé vis-à-vis de ça? Alors, oui, bien sûr, mais en fait, moi, personnellement, ce qui vraiment m'a fait progresser, c'est de faire des relevés, c'est-à-dire des relevés à l'oreille de morceaux et d'autres. Ah Alors, oui. j'ai joué dans différents groupes, hein, donc, et à une époque, bon, par exemple, j'ai fait de la country, donc, il a fallu que je relève et à l'oreille des morceaux de country, et donc, du coup, j'avais même pas vraiment la technique, mais la technique, du coup, elle s'imposait à moi par le travail que j'étais obligé d'effectuer en écoutant ces morceaux, en fait. Donc, du D'accord. coup, c'est un angle, une approche assez particulière parce que la technique, du coup, sans l'avoir, je dirais, travaillée au sens propre du terme, en se disant, tiens, bon, je vais travailler cette technique-là assidûment, ben non, en fait, c'était plus une méthode empirique. Je suis face à un morceau. Le gars, j'entends que la guitare fait ça. Comment faire? Donc, et là, du coup, la technique, elle s'imposait à moi Ah plus que ouais. je me l'imposais. Je sais pas si je suis clair, mais Si, moi, si, c'est ouais. comme Bah ça que. en fait, de ce que je comprends, c'est que tu prends ce dont tu avais besoin à l'instant T, en fait. Exactement. Voilà. Voilà. Donc, il y avait besoin de faire un riff de tel type. Bon, bah, j'avais pas forcément le. Alors. J'avais quand même déjà un bagage du fait que je jouais quand même, et puis bon, j'avais peut-être une facilité quelque part, voilà, à un moment donné, si j'ai commencé l'instrument, c'est parce que j'ai senti que bon, il y avait cette envie de jouer, puis cette passion, puis à un moment donné, peut-être qu'il y a, on va dire, papa, je sais pas si c'est un grand mot, mais dire un don ou un talent qui nous est donné, et essayer d'exploiter ça au maximum. Donc après, bon. Voilà, moi j'ai senti assez vite quelques facilités sur la guitare que j'aurais peut-être pas eu sur un autre instrument, je sais pas, c'est simplement parce que j'étais passionné par cet instrument voilà. Donc du coup, c'est, mais voilà, la technique du coup sans, je dis pas que j'ai pas bossé de technique, mais souvent c'est la technique qui s'imposait à moi plus que moi qui m'imposais un travail technique, mais il se fait de manière empirique en fait, c'est ça que voilà. Ben, c'est comme ça que moi j'ai appris en fait. Après les conseils, enfin pas les conseils, mais j'ai eu l'opportunité de faire une ou deux écoles de musique dans des formations qu'on m'a offertes, donc et où j'ai pu avoir quelques notions, on va dire, d'harmonie, donc la construction des accords, un peu de solfège, même si j'étais pas très assidu sur les cours solfège, j'avoue. Mais Oui. voilà, j'ai quand même eu quelques bases à travers ces passages dans les écoles de musique. Mais disons que avant de faire ces écoles, j'avais déjà un bagage en fait que je m'étais un peu fait de manière empirique. Donc ça n'a fait qu'apporter un plus en fait à ce qui était déjà là finalement, quoi, et à ce travail D'accord. d'autodidacte que j'avais déjà fait avant en fait. D'accord, ok. Ah bah c'est super intéressant en tout cas. Est-ce que tu as, enfin, dans ta musique, tu as sûrement des influences musicales. Est-ce que tu peux nous en partager? Alors ouais, alors il y a beaucoup beaucoup d'influences dans ma musique, je pense, parce que j'aime, comment dire, je pense que mes premières émotions, grandes émotions musicales, celles qui souvent nous marquent à vie, bon, il n'y a pas eu que la guitare, hein, mais je pense que si je dois remonter dans le temps, mes premières grandes émotions musicales, ou ma première grande émotion musicale, ça peut être Evangelist, par exemple, qui n'est pas un guitariste, hein, qui est plutôt musique électronique, mais par exemple D'accord. des morceaux comme Les Le... Chariots de Feu, Les chariots de feu, oui. D'ailleurs, très belle reprise au passage, parce que oui, je l'ai écouté. dont j'ai fait une reprise, Voilà. voilà, En petit fingerstyle, hommage à d'ailleurs. Angie. Ouais, voilà,
Et en fait, bon, par exemple, quand j'étais môme en colonie de vacances, concrètement, sur les soirées diapo, parce qu'il y avait, bon, les moins de 20 ans ne connaîtront pas les diapositives, mais il y avait des soirées diapo. Et souvent, les musiques qui accompagnaient ces moments de partage autour de quelques photos faites dans les montagnes après des marches. J'étais môme, hein, je parle d'une époque où j'avais, je sais pas, 8-10 ans, peut-être moins, j'en sais rien, je me souviens même plus. Mais souvent, il y avait cette musique, ils mettaient souvent du Vangelis pour accompagner ces soirées diapo. Et ces musiques, enfin, les musiques de Vangelis, entre autres, m'ont marqué énormément. Donc, voilà, il y a déjà cet univers un peu onirique, un peu lyrique aussi de Vangelis, par exemple, qui fait de la musique électronique. Et du coup, j'aime beaucoup la musique électronique aussi, par exemple. C'est des choses qui m'ont beaucoup influencé, qui m'influencent encore beaucoup, même si ça ne se sent pas directement. Mais en tout cas, je pense que toutes les musiques qu'on a écoutées, qui nous ont provoqué des émotions, nous influencent, même inconsciemment, dans ce qu'on fait. Oui, tout à Donc, fait. voilà, voilà, les musiques de films, Ennio Morricone, des musiques que j'adore, les musiques de films en général, je trouve que c'est même John Williams, enfin, bon, il y a tellement Voilà, il de y a compositeurs. Hans Zimmer, Klaus Ouais, Doldert voilà, bon, aussi. Ouais. c'est des univers très cinématiques, qui génèrent des images, donc. J'aime beaucoup Debussy, par exemple, enfin, dans un autre registre. D'accord. Voilà, moi, Debussy, c'est vraiment dans la musique, c'est pas vraiment classique, tout le Paris de romantique, il me Oui, semble, sans voilà. dire Debussy. Mais voilà, c'est quand j'écoute Prélude à l'après-midi d'un faune ou La mer, enfin, la première fois que j'ai écouté ces morceaux-là, ça m'a transporté, quoi. Et ça m'a parlé, ça résonnait en moi. Donc voilà, ces musiques-là. Après, on va dire que guitaristiquement, les influences, ouais. Alors j'ai commencé la guitare donc quand j'avais une vingtaine d'années, donc ça nous ramène au début des années 90. Oui. Donc c'était une période où il y avait beaucoup de jazz fusion. C'était la grosse période du jazz fusion. Donc D'accord. bon, forcément, j'en ai subi les influences parce que pour apprendre, j'écoutais beaucoup. Donc, je me suis vraiment nourri de guitare, de guitare, de guitare, avec Pat Metheny, avec Alan Ellsworth, Larry Carlton, Rob Enford dans l'Institut Blues. Oui, il y a aussi le blues, effectivement, Stevie Ray Vaughan. Enfin, bon, on va pas parler, on va souvent parler des mêmes guitaristes, mais bon, voilà, il y a un peu les incontournables, les Jimi Hendrix, etc. Et puis, il y a d'autres guitaristes moins connus. Ou dans un autre domaine qui nous inspire, ou du moins on a envie d'essayer de jouer comme ça, d'avoir cette approche-là, Scott Anderson, que j'aimais bien à l'époque. Bon, c'est des choses que maintenant j'écoute plus trop personnellement, mais par contre j'ai beaucoup appris en écoutant ces musiques-là, et elles m'ont beaucoup apporté, ça c'est indéniable, indéniable. D'accord, ok. Et quel est le meilleur conseil que tu aies reçu dans ta pratique de la guitare? Alors, franchement, j'en ai pas reçu beaucoup de conseils, en fait. Ou Est-ce que tu peux en donner, peut-être? ouais, je vais dire comme De Niro dans Casino. Je pourrais dire, bon, il y a la bonne méthode, il y a la mauvaise méthode, et il y a ma méthode. D'accord. Voilà. Non, je crois que le conseil que je donnerais, c'est surtout de faire les choses à sa manière, en fait. Ouais. C'est de prendre toutes les influences qu'on peut avoir et d'en faire une sorte de melting pot qui va nous ressembler, en fait. C'est vraiment de s'approprier les choses à un moment donné. Forcément, on a des influences et elles sont là de toute manière, mais à un moment donné, je pense que voilà, il faut essayer d'être soi-même et de s'exprimer, d'exprimer ce qu'on a à dire en nous-mêmes, quoi, sans être dans le copier-coller, simplement être. Et d'ailleurs, je crois qu'on n'a pas le choix. Je crois que quand on fait les choses, on fait ce qui sort de nous. Enfin, une composition, voilà, c'est la Ah ben c'est ce nôtre. qu'il y a, c'est ce qu'il y a de plus personnel d'ailleurs, hein, une composition. Voilà. Et Ouais, c'est pour ça effectivement, que voilà, c'est un mode d'expression, hein, quand tout à la fait. musique. Donc, voilà, trouver sa propre expression. Voilà, alors moi je sais pas si on m'a si je me souviens pas de conseils vraiment concrètement qu'on m'a donné, mais moi si je peux donner un conseil
Humblement, c'est juste de faire les choses à sa manière et d'être, de se singulariser en fait, se singulariser. Voilà, dire bon, ben, je suis un artiste, j'ai choisi d'être un artiste et je vais m'exprimer, que ce soit en peinture, sur une toile ou en musique, ce qu'on veut exprimer. Point. C'est d'être le capitaine de son bateau dans ce sens-là, quoi. Voilà. Mais avec D'accord. toutes les influences qu'on a pu avoir et qui nous ont enrichis et qui nous enrichissent encore et qui nous enrichiront encore pendant D'ailleurs, ça longtemps, me donne envie j'espère. de partager une chose, parce que c'est vrai que moi, je suis assez féru de se trouver soi-même aussi dans la musique. Et moi, j'ai toujours, enfin, je vois là un peu la musique comme, enfin, je vois beaucoup de similitudes avec la cuisine, par exemple. En fait, les influences, ce sont des ingrédients, en fait, quelque part, ou des Tout plats qui ont été préparés par d'autres. Et en Voilà. fait, ces ingrédients-là, on peut les incorporer dans notre nouvelle marmite qui est nous et faire une recette qui est la nôtre, en fait. Et c'est vrai que j'aime Ouais. bien cette idée-là. Alors, Mais c'est ça, c'est une belle, c'est oui, c'est une belle métaphore, une belle analogie. Ouais, c'est un peu que c'est une cuisine, hein, c'est ça. C'est voilà, on mélange Voilà. les ingrédients, on essaye de faire, puis on essaye de mettre la cerise sur le gâteau. Oui, aussi, oui. C'est toujours c'est super intéressant d'ailleurs, la petite cerise sur le gâteau à la fin, quand presque tout est fini. Ça, c'est sûr. Alors, je vois que tu as une guitare dans les mains. Oui. Donc, qu'est-ce que c'est comme guitare? Est-ce que tu peux nous la présenter un petit peu? Alors, cette guitare, c'est une Guild. Alors, le modèle, bon, je vous montre un petit peu, avec la poussière en prime. Ouais. C'est une Guild GAD 30 PCE, il me semble PCE pour pan coupé. Voilà, pan coupé. Donc, c'est une D'accord. guitare je sais plus en quoi. Alors, je sais que la table est en épicéa. Hein. Après, le dos, je ne sais plus vraiment. C'est pas du palissandre, mais c'est une guitare que j'ai depuis pas mal d'années, que j'aime bien. C'est une guitare très, très agréable à jouer. Oui, c'est pas Alors, une guitare de luthier, du coup, c'est une marque, hein. non. Oui, c'est une guitare d'ailleurs qui est même pas fabriquée ni aux États-Unis. C'est une guitare fabriquée en Chine. C'est des modèles moyen de gamme de chez Guild en fait. D'accord. Et j'avoue que j'aime beaucoup leurs instruments. Et j'ai deux Guilds. J'ai une GAD 50 qui est une forme Dreadnought, comme on dit, forme Dreadnought. Oui. Et puis ça, c'est plus une forme, je sais pas, un peu orchestrale, je crois. Je suis pas très fort dans les. Et en fait, oui. Oui, je alors vu comme ça, j'ai l'impression que ça ressemble à une jumbo ou une grand auditorium peut-être. Non, c'est plus petit. Ouais, peut-être Grand Auditorium, c'est plus petit qu'une Ouais. jumbo quand même. Là, on Ah a, oui, puis voilà, oui. bon, vous voyez, au niveau des éclipses, c'est pas trop large. Donc, c'est Voilà, un ouais. format un peu spécial qu'ils ont fait, qui je trouve, ben, pas trop encombrant. Bon, donc on est plutôt bien au niveau aisance de jeu. Mais alors, Voilà. tu as fait des albums avec cette guitare-là? Oui, tout à fait. J'ai fait Perspective. Ok. Non. Chrysalide a été fait avec D'accord. exclusivement d'ailleurs cette guitare, il me semble. Waouh, c'est. Alors pour une guitare moyenne gamme, ça fait effectivement un super son parce que moi je l'ai écouté l'album Chrysalide, très bel album d'ailleurs au Ouais. passage, et Merci. ça donne super bien, hein, vraiment. Ben, après, c'est sûr qu'on peut trouver des guitares qui sonnent mieux, ça, c'est indéniable. Hein, mais le truc, c'est que trouver un instrument qui nous convient. Ben, l'instrument qui vous convient, c'est pas forcément un instrument à 4 000, 5 000 euros, même si bon après bon il y a le budget qui va avec, c'est sûr, mais c'est l'instrument qui où on se sent bien dessus. Oui. Donc moi c'est voilà, je me sens bien sur cette guitare, enfin sur mes guildes, je les trouve très agréables à jouer et donc je suis vite à l'aise dessus. Et bon, c'est pas le cas de toutes ces guitares, donc personnellement moi je préfère avoir bon. Les guitares, de toute façon, on est toujours à la recherche du Graal. Hein. Voilà, je pense qu'à un moment donné, on peut le chercher toute notre vie. Il y en a qui vont le trouver. Bon, sans dire que j'ai trouvé mon Graal, en tout cas, j'ai trouvé des guitares qui me conviennent. Et puis, même si c'est pas des guitares, on va dire de luthier ou quoi, hein, j'ai rien contre. Au contraire, hein, j'essaie des guitares de luthier régulièrement et j'adore. C'est super.
Après, je suis encore très indécis sur ce que je voudrais vraiment, si je devais me faire une guitare par un luthier. D'accord. Je suis très psycho avec ça. Quel genre de bois, quel machin. Et quelque part, je préférerais essayer une guitare et avoir un coup de cœur plutôt que de me faire une guitare. Et puis me dire ouais non je sais pas je suis pas sûr de ça donc voilà après c'est des questions que je me pose pas non plus trop voilà mes guitares me conviennent pour l'instant et D'accord, ok. Et si ça change on est-ce que verra tu as des cordes favorites? alors je joue principalement sur Elixir en fait Ok. alors bon oui j'ai testé pas mal de jeux de cordes alors Elixir pour la durée déjà parce que c'est des cordes qui durent. Après le son me convient. Alors j'aime pas trop le son quand je viens de les changer sur les élixirs. Le son me plaît pas trop. Il me faut je dirais une ou deux semaines de jeu dessus pour que le son commence à me plaire. Ah Donc ouais. voilà ouais, c'est donc oui je mets principalement des élixirs. Et alors pour celle-ci je mets des élixirs il y a comment dire avec un tirant un peu spécial où les deux cordes aiguës sont d'un tirant un peu plus costaud, je crois. Je sais plus le nom. Je crois que c'est Elixir HD. Je sais plus. Voilà. Mais globalement, ouais, je reste sur Elixir. Des cordes qui durent assez longtemps. Elles gardent toujours un peu une bonne brillance. Donc ouais, j'apprécie bien. Ouais. Ah, Après, il y en a. c'est marrant parce que je connais beaucoup de guitaristes qui, eux, c'est l'inverse, en fait, ils vont changer de cordes toutes les semaines parce qu'ils aiment bien le son des cordes neuves. C'est assez drôle de voir que toi, tu préfères effectivement quand la corde a un petit peu travaillé. Alors, je précise sur les élixirs, Ouais. parce que je sais pas pourquoi, c'est peut-être psychologique, j'en sais rien. Mais sur les élixirs, en tout cas, c'est le cas. Après, sur des cordes qui ont pas de, parce que les élixirs, elles ont, comment dire, une fine couche Oui. de je ne sais quoi, de Gore-Tex, je crois, ou je ne sais pas. Mais voilà, donc sur les cordes, on va dire plus standard, où il n'y a pas de revêtement, je préfère quand elles sont neuve, enfin que quand je viens de les installer, mais les élixirs, ouais, il faut que j'attende une ou deux semaines avant d'aimer le son, quoi. Ah, C'est ok, étrange. d'accord. Ouais, non, mais Voilà. enfin, après, c'est à explorer parce que ça se trouve, quelqu'un qui nous regarde essaiera, et puis moi, je vais peut-être essayer aussi. Ça se trouve, ça va me plaire aussi. C'est bien parce que ça nous Voilà. donne des pistes justement pour trouver son son. Et ça, c'est super intéressant. Et puis bon, voilà, c'est personnel. Et puis bon, de toute façon. Fait que moi, je ne les change pas toutes les semaines, mes cordes, c'est sûr. Oui, bah oui. Mais en tout cas, Non. tu vas constituer un ingrédient pour notre marmite. C'est ça qui est bien. Voilà, c'est ça. C'est l'essentiel. Voilà. Et est-ce que tu utilises des accessoires aussi ou pas du tout? Alors, pas tellement, en fait. Mmh. Non, à part mes doigts. Non, ce que j'aime bien faire, des fois, c'est. Là, j'ai mis un peu de scotch, des scotch un peu granuleux là sur la caisse pour des fois quand je suis sur scène et que j'utilise ma Loop Station, c'est la Loop Station, c'est une pédale qui me permet de comment dire d'enregistrer ce que je viens de jouer, de rajouter des couches d'instruments ou de guitare les unes par-dessus les autres. Et j'aime bien des fois de faire une sorte de comme un petit shaker comme ça. Oui, Sur la oui. caisse, donc c'est sympa. Et si vous le faites sur la caisse vernis, ça sonne pas. Alors que Ah là, bah oui. on va avoir ce petit son. Donc voilà. Mais Alors sinon, on accepte. Pardon? on n'entend pas super bien, mais c'est pas grave. Ce qu'on va faire, ce que je Ouais. vais faire, c'est que Ah. je vais mettre un lien sur une vidéo. Oui. Il y a sûrement une vidéo où tu l'utilises. Ouais, je pense. Ouais. Mais bon, bah, c'est pas un accessoire, mais c'est un petit truc que j'aime bien. Sinon, il y a le D'accord. hibo que j'utilise de temps en temps. Mais surtout à l'électrique, vous voyez, le hibo, bon, je sais pas si on va entendre quelque chose là, évidemment. Ah, si, ça on entend, ouais. Voilà, c'est assez rigolo, quoi. Voilà, c'est. Alors moi, Et je l'ai beaucoup utilisé sur mes albums, quand même, enfin, beaucoup. Il fait au moins une apparition sur chaque album, je pense, le hibo. Alors, je l'utilise plus à l'électrique qu'à l'acoustique, mais voilà, c'est un outil même à l'acoustique que j'aime bien avoir. C'est un petit électroaimant en fait qui crée une vibration qui fait que la corde va vibrer. Alors, il faut trouver le point. Il faut l'allumer déjà. Et d'accord. voilà, tu vas créer.
qui va faire qu'il y a un sustain infini. Ok. Et est-ce que tu peux rappeler le nom? Le e-bow, comme electronic bow, c'est-à-dire archet électronique, en fait. Voilà. E-bow, en fait, bon, vous trouvez ça un peu de partout maintenant. Voilà, c'est assez... Ouais, c'est assez rigolo. Donc, donc des capots de temps en temps, mais pas très souvent. Je suis pas un grand utilisateur des capots d'astre, mais d'accord. Ok. Bon, les médiators de temps en temps pour voilà. Voilà, tout simplement. Wow. Merci pour la faire deux trois notes. Bah. Si je fais des solos, des chorus, on a plus de précision avec les médiators que sans, quoi. Donc c'est vrai que ça c'est. D'ailleurs, tu joues parfois en fingerstyle. Oui. Donc tu joues au médiator aussi. Et est-ce que tu joues à l'électrique en fingerstyle aussi? Oui, bien sûr. Bah ouais, dans le principe c'est la même chose, sauf que ça sonne pas pareil. Alors dans mon dernier album, il y a un morceau que je joue en fingerstyle, hein, qui s'appelle Where's the Fair Windows, et que je joue à l'électrique. Hein, c'est voilà. Mais je peux. Voilà, par exemple. Et en fait, ce morceau-là, bravo. Et c'est un morceau donc que j'ai joué à l'électrique, oui, sur mon dernier album, qui est un album. C'est le seul morceau fingerstyle de l'album, parce que mon dernier album que j'ai enregistré sous un pseudo qui est Armand, c'est un album qui est plus orienté, on va dire, un peu électro, musique électronique, c'est un album assez avec une esthétique très différente de ce que j'ai fait avant, donc voilà. Ok, c'est pour d'accord. ça que je l'ai fait sous un pseudo. Bon, et donc, le morceau que tu viens de jouer, il s'appelle comment? Et il est issu donc de l'album Armand, c'est ça? Oui, il est issu de l'album qui s'appelle A New Day, un nouveau jour. Et vous pouvez retrouver d'ailleurs sur mon site, oliviergiry.com, et aussi sur Bandcamp, un site qui est un peu une vitrine pour les artistes, voilà, où les gens peuvent aussi acheter les albums. Et donc, ce morceau s'intitule Where the Fair Wind Blows. Alors, okay. Ça veut dire d'où vient le bon vent, voilà, où est le bon vent, voilà. Et c'est un morceau que j'ai écrit, enfin, le titre est inspiré d'un film que j'aime beaucoup, qui est Jeremiah Johnson, un film de Sidney Pollack, un vieux film des années 70. D'accord. Et à un moment donné, il y a une petite chanson, et dans cette chanson, il y a Where's the Wind Blows, et voilà, ça m'a inspiré cette musique. D'accord. Eh ben, on va pouvoir écouter ça assez rapidement. Hein. Bah ouais. Avec plaisir. Et comment enregistres-tu ta musique, en studio, en home studio? Alors, j'enregistre dans mon en home studio, en fait. J'ai vraiment une config très simple, c'est-à-dire un PC. Une carte son qui est une Presonus, une Fire Studio mobile qui est pas récente, c'est une vieille carte son, mais qui fonctionne très bien et avec laquelle j'ai enregistré déjà trois albums, je crois.
Et donc, alors, pour les prises son de la guitare, je fais au plus simple, c'est-à-dire, vous voyez, j'ai un micro ici, qui est dans la rosace. C'est un OK. Seymour Duncan, je sais pas si on voit, oui, on voit. Ouais. Si, on voit, ouais. Alors, C'est un c'est Seymour, pardon, c'est un Seymour Duncan SA6 Magnique. S6, c'est ça? SA6. SA6, OK. SA6, ouais. Et en fait, c'est un micro que j'utilise et je branche directement ma guitare dans la carte son et j'arrive à avoir un son, on va dire, bon, ça sera pas la qualité, on va dire, de micro type Neumann ou tu vois ce que je veux dire. Oui. Par contre, vu que j'ai pas de cabine, je suis dans un environnement qui n'est pas forcément toujours calme, D'accord. enfin calme dans le sens, il peut y avoir des bruits et les micros, souvent, de studio vont vraiment prendre tous les bruits. Oui, Donc, c'est très si tu fais sensible. la bonne prise et puis qu'il y a un chien qui jappe derrière, ça va pas être. Non, mais c'est vrai qu'après, par confort, vraiment, je trouve que c'est bien enfin, j'ai trouvé ma méthode, en fait, pour mes enregistrements où, finalement, je trouvais un bon compromis entre le son et puis on va dire la commodité, voilà. Oui, Donc, bah oui. voilà. D'accord, Donc ok. c'est simple, hein. J'ai vraiment une config très simple, hein. C'est vraiment, après, bon, j'ai mes synthés, qui peuvent m'être utiles et puis voilà, mais c'est vraiment très simple, hein. J'utilise sinon Studio One comme logiciel d'enregistrement. C'est le Alors, logiciel de, ouais, je connais pas c'est trop le Studio One. C'est payant, c'est gratuit, c'est Alors, comme. il est payant, mais en fait, si vous achetez une carte son Presonus, Ok. ben, il vous offre en général le DAW qui va avec. Donc, Ah. vous avez le logiciel Studio One qui est inclus avec la carte son. Et je trouve que c'est un très, très bon logiciel parce qu'il est très intuitif. Donc, voilà. Avant, je bossais sur Cubase. Ça m'arrive encore de bosser sur Cubase. Mais après, bon, c'est vrai que depuis que j'ai Studio One, je bosse exclusivement sur Studio One. Donc D'accord. voilà, c'est ça me convient, on va dire. Eh ben, en tout cas, si c'est la config que tu as utilisée pour tes CD, le Ouais. résultat est quand même vachement impressionnant, hein. Je vous invite à aller voir, enfin, aller écouter plutôt, aller écouter les albums pour vous en rendre compte vous-même. Je vais y arriver. Mais en tout cas, bravo pour les productions qu'il y a derrière, quoi. Ben, merci. Une petite question, préfères-tu le jeu avec ou sans ongles quand tu joues au fingerstyle? En fingerstyle. Alors, la question des guitaristes. Voilà. Alors, je joue avec la pulpe et l'ongle, en fait, hein, un peu comme je pense tous les guitaristes de fingerstyle, c'est-à-dire, effectivement, pour ne pas avoir un son trop, on va dire, trop agressif. Donc, je n'utilise pas que l'ongle. Donc, j'utilise vraiment la pulpe et l'ongle me sert un petit peu enfin, me sert à équilibrer tout ça, quoi. Et donc, voilà. Mais je, non, non, je, alors, si on n'utilise que la pulpe, effectivement, souvent, le son est un peu fluet, manque peut-être un petit peu d'attaque et de précision. Et D'accord. l'ongle va lui permettre d'ajouter un peu d'attaque, mais il faut pas qu'il y en ait trop. Donc là, c'est un équilibre à trouver dans le jeu pour être dans une certaine douceur. OK. Mais c'est pas toujours évident. C'est-à-dire et en plus, bon, ils sont pas. Il faut trouver la bonne taille aussi. Voilà, moi, ils sont pas trop trop longs là. Et en plus, bon, j'ai eu un accident d'ongle il y a pas longtemps, donc j'ai dû Oui. Les retailler, on va dire, les limer, voilà. Et là, ils repoussent un petit peu, mais là, ils sont pas à ma taille optimale, là. Voilà, il y en a un qui est pas assez grand et ça me gêne un peu, en fait. Ouais, Et en fait, oui. c'est une question d'équilibre. Moi, si je me pète un ongle, je peux plus jouer, quoi. Ou alors, je suis obligé de tout couper et de jouer qu'avec la pulpe. Mais voilà, c'est compliqué, ouais, de trouver la bonne taille, puis de la garder. D'ailleurs, est-ce que tu as des astuces enfin, pour solidifier les ongles, justement, pour éviter qu'ils cassent? Alors, moi, j'ai la chance d'avoir des ongles assez solides. Donc, Ok. alors bon, quand je fais, on va dire, si je suis amené à faire beaucoup de dates et à jouer souvent,
Je vais mettre simplement comment dire, du vernis incolore, enfin, je sais pas, ou du durcisseur d'ongles. Voilà. Je mets du D'accord. durcisseur, ça me permet au moins de pas user, surtout cette partie, parce que par exemple, si je fais des rythmiques, alors moi, c'est une manière de tenir le médiateur. Par exemple, qui fait que globalement, l'ongle de l'index a tendance à s'user parce qu'il va frotter un petit peu contre les cordes. Donc, du coup, c'est cet ongle-là qui se fragilise le plus quand je joue. Si je joue en rythmique beaucoup, par exemple, si j'ai l'occasion de jouer avec un groupe ou quoi, et si j'attaque beaucoup en rythmique, cet ongle-là, il va vite. Donc, c'est là où du durcisseur va lui permettre de garder quand même une certaine épaisseur et de pas l'user trop. Voilà. Parce que sinon, celui-là, il fragilise les autres, ça va à peu près. Mais j'ai des ongles assez solides, donc du coup, j'ai de la chance pour ça. Je les D'accord, casse quand même pas souvent, mais ça arrive bêtement en fermant une fenêtre ou en fermant ok. le capot de sa voiture. Pac! Ouais, bah oui. Ouais, Non, d'accord, ça ok. m'est arrivé. Bah écoute, si ça peut t'aider, alors le durcisseur à ongles, c'est vrai que je l'utilise depuis pas très longtemps, mais il y a un autre truc que j'utilise aussi, c'est l'écrinal. Et l'écrinal, en fait, c'est pas un durcisseur, c'est juste des vitamines pour qu'il soit un peu plus souple, plus élastique. Enfin, pas élastique, mais un peu plus souple, et ça évite de. Des fois, ça permet à ce qu'il se casse pas, mais qu'il se plie. Oui, comme le Voilà. roseau Voilà, c'est qui ça. ne casse pas. Exactement. Exactement. Du coup, voilà. Bah, si en tout cas, ça marche pour toi, je serais super content de contribuer à tes. Profitant, petite pub, Voilà, tac. ouais, c'est ça. Ok. Est-ce que ça t'arrive comment dire, d'arranger des morceaux? Ah oui, Oui, je pardon. veux dire d'arranger des morceaux pour les gens ou d'arranger des morceaux comme je fais des arrangements de morceaux Existant. de variétés. Oui, Oui, j'en oui. fais beaucoup. Ouais, j'en fais beaucoup. Ouais. Enfin, j'en fais beaucoup. J'ai mes périodes où j'en fais beaucoup et j'en ai quelques-uns sur YouTube entre autres où j'ai ma page où vous pouvez retrouver sur cette page YouTube pas mal de Ah. Par exemple, Ça, c'est Bobby McFerrin, c'est ça. Bon, voilà, par exemple, Don't Worry Be Happy. Mais j'ai fait pas mal de reprises en fait de morceaux que j'aime bien en général. Donc même de Vangelis, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, les chariots de feu. D'accord. Et en fait, j'ai commencé à faire des reprises en fait avec un morceau. C'était Ah, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Non, je n'ai pas joué depuis longtemps. C'est un morceau de Whitney Houston, Saving All My Love for You. Et c'est OK. ce morceau-là qui m'a que j'ai repris pour la première. Enfin, c'est le premier morceau que j'ai repris à la D'accord. guitare. Et ce petit côté. Petit côté jazzy. Trouvais ça sympa. Et en fait, tout est parti de là. C'est la première reprise que j'ai faite qui m'a lancé sur l'envie de faire d'autres reprises, en fait. Parce que sinon, Wow. c'est vrai que j'en faisais pas beaucoup. J'ai passé beaucoup d'années sans faire des reprises fingerstyle, en fait. Puis un jour, je me dis, tiens, c'est sympa. C'est un peu un exercice de style, de trouver, Oui. de s'approprier un morceau et puis d'essayer d'en faire notre propre version, en fait. Je trouve, Donc, ouais, ça vient comme ça. Après, souvent, l'idée, elle est là. J'aime ce morceau, je voudrais bien en faire une reprise. Puis il faut trouver la bonne tonalité qui soit guitaristique pour pouvoir le... Parce qu'en fait, c'est important quand on fait une reprise de trouver la tonalité qui va coller, en fait, qui va permettre de garder une fluidité dans les changements d'accords, etc. Et ça, c'est tout l'art de la reprise. Et surtout à la guitare, bon, il y a des tonalités qui sont guitaristiques, d'autres qui ne le sont pas. Hein. Si vous faites un morceau en mi bémol à la guitare, ou en si bémol, ça risque d'être tendu au niveau des positionnements Oui. et de perdre beaucoup en fluidité. Donc moi, quand je fais une reprise,
J'essaye de penser fluidité et de me dire comment faire pour que ça soit le plus fluide possible. Et donc souvent je me retrouve donc avec pas mal souvent de cordes à vide. J'essaye d'avoir pas mal de cordes à vide pour pouvoir libérer les autres doigts, etc. Et faire. Et d'ailleurs, ben, Isocilovi, je ne sais plus la tonalité originale, mais là, on commence avec basse à vide de mi. Ah oui, d'accord. Donc là, je fais le thème, le premier thème. Donc, après, je suis en basse ré. Donc bon voilà c'est mais puis des fois l'idée elle vient un peu comme ça, des fois on a des coups de bol comme ça ouais, ça c'est la bonne tonalité, ça va aller, et puis bon finalement ça se passe Ouais, bah en fait, mon tout premier morceau, ça s'est passé comme ça. En fait, je l'ai trouvé par hasard. Je jouais un truc comme ça, je savais pas trop quoi jouer. Puis, en fait, enfin, je me suis dit, ah, bah, ça ressemble à ça, ça ressemble à ce morceau. Puis, au fur et à mesure, en fait, je l'ai fait en ouais. freestyle. Et puis, je me suis dit, mais en fait, c'est génial. Je pourrais passer la journée à faire ça. Et bah, maintenant, enfin, je reprends beaucoup de morceaux aussi. Ouais, puis Oui. c'est bien parce que du coup, ça permet vraiment de s'approprier, Oui. de se réapproprier le morceau. Puis ce qui est génial, en fait, des fois, je vais voir les reprises que les gens font, d'autres guitaristes. Il y a pas mal de guitaristes qui font des reprises, qui font des belles reprises sur YouTube. Et en fait, on s'aperçoit qu'on a tous une vision différente du morceau, qu'on a tous une autre interprétation. Et je trouve ça génial en fait. Comment d'un seul morceau qui existe, qu'on a dans notre inconscient collectif, qu'on connaît par cœur, mais chacun va en faire sa petite tambouille, sa petite sauce, sa petite cuisine, et chacun s'approprie le truc à sa manière, en fait sa version personnelle. Et ça, c'est super. Je trouve ça génial. C'est enrichissant en Bah fait. ouais. Chaque arrangement est unique, ouais, c'est vraiment ça qui est intéressant, quoi, c'est sûr. C'est là où ben on se singularise aussi en faisant notre propre cuisine. Moi j'ai tel morceau, qu'est-ce que j'en fais? Ben voilà ce que j'en fais, et voilà. Donc c'est ça qui est intéressant. Est-ce que ça t'amène à parfois désaccorder ta guitare? Ça m'arrive, oui bien sûr. Alors j'ai pas d'accordage précis à part mon petit Ouais, le drop D classique. drop D. Ouais. Donc bon ou voilà qui est d'ailleurs les chariots de feu je le joue alors en drop D d'ailleurs je sais pas il me semble Ah oui. ouais. Je l'ai pas joué depuis longtemps d'accord. Voilà, c'est un morceau que je joue en drop D. Mais donc voilà, par exemple, en drop D, j'ai un morceau qui s'appelle Ti Fortu, comme ça, qui est intéressant par rapport Ah oui. à ce que je fais avec les hammerings, les pull-offs. Ce genre d'effet un peu. Donc voilà, D'accord. c'est des petits trucs intéressants comme ça. Donc voilà. Enfin bon, le fait de. Je désaccorde la corde quand c'est nécessaire pour faire un truc. Pour certains. J'ai pas beaucoup d'accordage. De temps en temps, je joue en dadgad. Et de temps en temps, j'ai un ou deux autres accordages que j'utilise. Mais bon, je joue quand même beaucoup en accordage standard. Ouais. En Ok. essayant de faire sonner l'accordage standard comme du non-standard, ce qui est marrant, quoi. Ah oui, ouais. En faisant des accros ouverts ou des choses comme ça, c'est ça? Ouais.
des trucs tout bêtes, mais... Déjà, en faisant ça, on pourrait se dire, tiens, là, on ne peut pas savoir que je suis en accordage standard, vraiment, on peut pas le deviner, là, ouais. Il me semble. C'est sûr, ça sonne pas comme un accordage standard, ouais. Pardon. Ouais, c'est genre de sonorité. C'est un et... morceau qui est sur mon premier album d'ailleurs. D'accord, donc ça s'appelle L'éveil, c'est ça? L'éveil, pardon. Okay. Oui. Ça marche. Je m'égare des fois. Non, pas de souci, j'avais compris. Mais effectivement, bah, si vous voulez réécouter le morceau en son studio, c'est dans l'album. Donc le premier album qui s'appelle déjà. Alors, premier album, en fait, il s'appelle Édition Spatiale. J'ai voilà, prévu, c'est ça. Édition Spatiale, donc. L'éveil, ouais. Ça. Ok, ça marche. Et voilà, c'est un album particulier, édition spatiale, parce que c'est un album en trio, basse, batterie, guitare, donc avec mon frère à la batterie d'ailleurs, que je salue s'il regarde la vidéo, et Samir Mejdoub, un ami bassiste qui jouait avec moi à l'époque. Et voilà, on avait monté ce trio, et puis donc voilà, c'était les premières compos que je mettais sur une galette. Il y a même un morceau où je chante. Donc voilà, ça c'est. Rien que pour ça, ça vaut la peine de l'acheter, franchement. Ça marche. Les collecteurs. Et L'éveil est dessus, ouais, c'est le morceau que je viens de jouer. Ouais. Enfin, une partie du morceau. Et ben, du coup, on en vient à parler consciemment, accidentellement de tes compositions, en fait. Et ben, j'aimerais bien savoir comment tu fais pour trouver l'inspiration pour composer. Alors, grande question. Alors, c'est pas facile à répondre, je pense, mais... Non, c'est pas facile parce que, en fait, pour moi, la composition, c'est pas quelque chose de très rationnel, en fait. En tout cas, moi, je mentalise pas du tout, je rationalise pas du tout la composition. Alors, ma vision, très concrètement, c'est que moi, en tant qu'artiste, en tant que musicien, je suis là pour matérialiser des choses immatérielles. Parce qu'une compo, à la base, c'est immatériel, ça n'existe pas. Donc, je suis là pour la matérialiser. Et en fait, j'ai un peu la vision comme... vous savez, je ne sais pas si vous avez... je dis vous pour tous ceux qui écoutent, mais... Oui. Si tu as déjà entendu parler de cette parabole un peu du sculpteur qui prend une pierre et qui sculpte la pierre ou un bout de bois et à un moment donné, pouf, il crée la... Il crée sa sculpture et puis il y a quelqu'un qui lui dit c'est beau ce que tu as fait. Il dit mais j'ai rien fait, la sculpture était déjà là, j'ai juste enlevé la gangue de pierre qui l'empêchait de. J'ai un peu cette vision là, c'est-à-dire d'être un peu comme un récepteur. D'être un récepteur à un moment donné, d'être disponible pour capter l'énergie de la composition qui est là et puis à un moment donné de la matérialiser à travers un instrument. C'est presque. Pas spirituel, mais il y a un côté un peu comme ça. Ouais. J'ai l'impression que voilà, je vais matérialiser quelque chose qui existe au fond, qui est dans l'air, qui est quelque part, et je vais lui donner. Voilà, et que c'est un peu comme ça que je vois les choses. Je rationalise pas parce que je peux pas me dire tiens aujourd'hui je vais composer un morceau en mi bémol septième dominante. D'accord. Plus dans le fait d'être en contact avec mon instrument. Et à un moment donné, dans un moment où je suis disponible, peut-être quelque chose va tomber. Et puis des fois, ça peut être un coup de bol.
D'accord. quelque chose qui tombe, mais la, et la morceau et un morceau va naître peut-être de ce moment de disponibilité. Vous voyez, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire en fait. Je ne suis Mais pas si alors, je suis clair, mais je vois un peu comme ça. quand tu dis que tu te rends disponible, en fait, est-ce Ouais. que ça veut dire explorer un petit peu sur ton manche en justement faisant monter un petit peu l'inspiration, en essayant de capter cette énergie, ou essayer de traduire une émotion que tu ressens aussi dans l'instant T, ou les deux, hein, ça peut être les deux. Ouais, alors il y a un peu des deux, effectivement, comme tu dis. Quand je parle de disponibilité, effectivement, je parle déjà d'être disponible effectivement à ce qu'on peut recevoir, justement. Mais je parle aussi de disponibilité au niveau du temps, parce que ça peut être à 2 heures du mat, qu'à un moment donné, vous êtes dans cette disponibilité-là. Donc voilà, bon, il y a d'une part au niveau timing, mais aussi la disponibilité d'accepter à un moment donné ce cadeau va être un morceau qui va venir, parce que moi je vois ça comme un cadeau très très concrètement. Mais effectivement, des fois ça arrive, mais en tout cas ça n'arrive que quand je suis en contact avec mon instrument. C'est D'accord. très rare que je compose sans ma guitare. Ça arrive d'avoir des idées. Alors je vais les enregistrer sur mon portable ou sur un dictaphone, mais globalement non, c'est vraiment. Donc c'est effectivement comme tu disais, à un moment je bidouille sur mon manche et puis je me dis tiens, qu'est-ce qui va se passer? Et puis à un moment donné, oups. Il y a peut-être un petit accord qui vient. Ah, mais c'est beau ça. Etc. Donc après, ça peut venir vraiment tout bêtement d'un petit riff qui va un peu tomber sous les doigts d'une manière presque automatique. C'est étrange, mais c'est vrai que ça arrive des fois. Mais en tout cas, ça D'accord. ne peut arriver que si on est en contact avec son instrument. Donc, dans les périodes où je sens que je suis entre parenthèses inspiré, parce qu'il y a des périodes où je compose pas, je peux passer des semaines, des mois sans composer, puis d'un coup, il va y avoir 3, 4, 5, 6 compos qui vont arriver dans un timing plutôt serré, donc c'est assez marrant. Donc ça, alors, peut-être que moi, je me rends disponible à ce moment-là, je sais pas, mais en tout cas, de l'inspiration, des fois, on est devant une page blanche, et puis c'est un peu, ouais, bon, on se demande si on va recomposer un jour, hein, ça m'arrive. Hein. Et finalement, non, je pense que c'est. Il y a une source intarissable quelque part. Donc après, si nous Oui. on y est insensible et si on y est justement, si on sait se rendre disponible, je pense que ça, bah, voilà, ça sera toujours là. Après, ben, il faut se rendre disponible. Il faut aussi avoir du temps pour composer. C'est pas, Oui, c'est tout à dur de fait, ouais. composer. Voilà, il faut aussi avoir du temps parce que la compo, bon, faut la finir, faut la peaufiner, faut la finir, l'arranger. C'est plus facile de commencer que de finir. Commencer une compo, c'est pas trop bon. On peut commencer avec un petit riff, un petit truc, mais on peut rester bloqué 2 ans, 3 ans sur un riff. Hein. Moi, ça m'est arrivé. Il y a des morceaux que j'ai pas encore finis qui datent de 15 ans. Hein. Ah oui, Je suis arrivé à d'accord. l'époque. Oui. Ils sont stand-by, ils sont en sommeil et j'attends que la suite arrive. Je sais pas, c'est comme ça. D'accord, ok. Et puis après, au fur et à mesure, des idées qui peuvent te venir en bidouillant le manche ou en chantant sur Ouais. ton téléphone peut éventuellement être un morceau de ce que tu as déjà fait et te faire Ouais, alors du. moi je me dis toujours que la suite, si c'est un morceau que je trouve bien, si c'est un morceau que mais je veux que ça soit la suite qu'il faut. J'ai pas envie de faire une suite parce que j'ai rien trouvé d'autre. Parce que je sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'ai Ouais, envie ouais, que ça ouais. soit la suite qu'il faut. C'est ça et pas autre chose. Donc voilà. Donc à un moment donné, instinctivement je me dis c'est ça. D'accord, C'est ok. là, il n'y a pas de doute, voilà. Et c'est pour ça, il y a des morceaux, je pense que, C'est quand ça te bah, plaît à fond, en fait. ouais, comme ça me plaît, comme ça vibre, en fait, comme Ouais. ça vibre en moi ou comme ça vibre. Je trouve qu'il y a des morceaux, bah, dans tous les albums, enfin, il y a des morceaux plus réussis que d'autres. On peut pas faire que des bons morceaux, mais il y a des morceaux qui sont, à mon avis, toujours des morceaux, on ne sait pas trop d'où ils sont sortis, et puis on en est fier, et puis il y en a d'autres dont on est moins fier. Enfin, moi, c'est le cas, il y a des morceaux. Dans ce que j'ai fait, que je trouve très beau, et puis il y en a, je vous dis, ouais, celui-là, bon, voilà, mais par contre, ça, c'est mon point de vue. Et ce Oui, qui est tout assez à fait, rigolo, oui. c'est que j'ai des amis qui écoutent ce que je fais, ou qui aiment ce que je fais, qui achètent mes disques, et on me dit, ben, tu vois, je leur dis, mais moi, j'aime pas trop ce morceau, ils me disent, mais moi, c'est mon préféré. Donc, en fait, c'est la sensibilité de chacun, c'est.
si je devais faire une compile de mes morceaux préférés, ça serait pas du tout ceux que préfèrent les gens globalement. Donc c'est assez anecdotique, mais c'est comme ça, c'est assez marrant. Ah C'est ma ouais. sensibilité à moi. Ah ouais, vraiment, c'est assez marrant. Bah ouais. Bah c'est bien parce que ça permet de savoir que tu touches des personnes qui n'ont pas la même forcément la même vibration que toi et Bien qui sûr, et c'est oui. génial ça. D'ailleurs, mais c'est pour ça que je fais ce métier. Enfin, globalement, si je suis musicien, si je suis artiste, enfin, ouais, musicien, voilà, c'est parce que j'ai envie de susciter chez les gens les mêmes émotions que moi j'ai pu vivre en écoutant certaines musiques. Et ces émotions, c'est des émotions qui restent à vie. Hein, les émotions qu'on a en écoutant parfois une musique, elles restent à vie. Et ça nous colle à la peau, mais dans le bon ou dans le mauvais sens d'ailleurs. Mais Oui. bon, je préfère quand c'est dans le bon sens, bien sûr. Mais parce que la musique est toujours liée à une émotion. Mais en tout cas, ce qu'on vit au moment où on écoute, en tout cas, moi, ce que je vis personnellement, c'est mon expérience personnelle, parce que pour d'autres, je ne sais pas. Mais pour moi, ce que je vis quand j'écoute certains morceaux, ça vibre haut, ça vibre fort et ça me fait voyager, ça m'emmène ailleurs. Et cette émotion que j'ai d'ailleurs pu ressentir en écoutant la première fois l'album The Wind and the Wheat de Phil Keaggy, qui m'a donné envie de jouer de la guitare. Si je peux retranscrire, enfin, pardon, si je peux arriver moi à transmettre cette émotion à des gens, j'ai fait mon job. J'ai fait mon job et j'ai fait mon boulot. Et voilà. Je crois que c'est là, d'ailleurs, enfin, moi, mon envie et mon désir, il est là, c'est de provoquer chez les gens une émotion. Et si j'arrive à faire ça, ben, à une, deux, 100, 2000, 3 millions de personnes, ça c'est dans mes rêves, 3 millions bien sûr. Voilà, c'est gagné. T'endors pas, t'endors pas. Ok, bah c'est super intéressant, Voilà pourquoi je fais le effectivement, métier. ouais. Voilà. Ouais. Ok. Étant donné, alors, tu transmets aux gens, notamment par la scène, j'imagine. Oui? Est-ce que tu as des conseils pour vaincre le trac sur scène? Ouf, alors ça c'est toujours, ça c'est une grande question. Moi je suis assez tracker, hein. Je suis plutôt tracker. Ouais. Donc ben la solution, moi il faut que je me confronte vite au public pour pas que le track dure. D'accord. Je vais avoir le track sur le premier morceau globalement. Il faut vite que j'aille confronter, que j'affronte le public directement. Faut pas que je reste trop enfermé sur moi-même, sinon ça n'arrange rien. Donc il faut que je sois dans l'ouverture. OK. Après, avant, j'aime bien avoir un petit temps un peu où je suis peinard, où j'ai pas de, il me faut pas de stress, pas d'événements extérieurs qui viennent me perturber, parce qu'effectivement, ça va, quand on est traqueux, le moindre truc peut vite prendre des proportions. Donc voilà, faut que je sois au calme en fait. Après, bon, faire un peu de respiration, des choses comme ça peut être bien, ouais. Ok. Être dans le calme. Et puis après, bien, allez, on y va. Let's go. Oui, bah oui. Et quand tu dis te Thomas confronter, Gone. ouais, voilà, show must go on. Ouais, Quand tu dis que il faut te confronter au public, en fait, ce que tu veux dire par là, c'est leur parler, en fait, ou juste. leur parler, c'est ça, mais en plus les regarder, c'est-à-dire pas faire. Il y a des gens, Ah voilà. Bon, oui, je vois. bien les regarder, bien. Voilà, comment dire. Voilà, s'imprégner des énergies, là, parce que bon, les gens, ils viennent pas pour. Ils viennent pour passer un bon moment et en général, les gens sont dans de bonnes énergies quand ils viennent à un concert. Donc voilà, il faut absorber ça. Ouais, moi, j'ai besoin de les regarder, de les affronter en fait. C'est d'affronter sa peur en fait, concrètement. C'est un peu ça. Oui. Voilà, c'est un peu affronter sa peur. Donc une fois qu'on l'a affronté, ben on en est plus, on se laisse plus dominer par elle. On en devient un peu plus maître en fait. Voilà, je sais pas si je D'accord. suis clair, mais Si, voilà, c'est extrêmement comme dans la clair. vie, quoi. Ouais, c'est Ouais, dans la ça, vie, il ouais. faut affronter et pas se laisser ses peurs nous dominer, sinon on vit Et plus. donc après 25 ans de scène, tu es toujours traqueux? Ouais, toujours. Ben, c'est toujours pareil. Si dans une période où vous allez faire 10 dates de suite, ben, le trac il sera beaucoup moins là parce que vous serez un peu rodé, mais bon, dans des périodes où, par exemple, vous ne faites pas de date pendant un mois ou deux, enfin, comme en ce moment, où de toute façon, les concerts, ils Oui, sont bah où les oui. concerts? Voilà. C'est sûr. Ben, revenir sur scène, et en plus, tout seul, c'est pas facile. Donc là, il faut reprendre un peu le dessus. Pour moi, c'est un peu tout le temps un recommencement, quoi. Oui.
Voilà. Après, je peux ne pas être traqueux. Ça peut arriver que j'arrive à être très à l'aise. Et puis, donc, c'est pas, c'est, je dirais, il y a pas de règle, il y a pas de loi. Voilà, ça dépend. Je peux être très traqueux à jouer devant 3 personnes, comme ne pas l'être à jouer devant 300 personnes. C'est bizarre. C'est comme ça. Mais jamais. Je cherche plus à comprendre, en fait. Ça Non, mais c'est dépend de bien. l'humeur, ça dépend de telle chose, hein. C'est bien parce que c'est presque, voilà, c'est rassurant, même pour ceux qui sont jamais allés sur scène et puis qui se disent, enfin voilà, que même les guitaristes professionnels ont le trac, eux aussi ils ont peur et que en fait il n'y a aucun souci avec sa peur, il faut juste y aller quand même, show must go on, comme tu as dit tout à l'heure, et puis après on passe un super moment, hein, ça c'est clair. Mais Non, voilà, mais et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur d'aller sur scène, en fait, parce que tout le monde a peur, en fait, quelque part, d'aller sur scène. Il y a toujours la le peur, regard des autres. elle est légitime, la peur, enfin, Oui. elle est normale. Voilà, elle est juste, c'est normal d'avoir peur quand on est seul devant des gens. Et puis, bon, après, voilà, moi, ce qui me sécurise beaucoup, souvent, avant d'aller sur scène, c'est d'avoir beaucoup travaillé en amont. Oui. Quand on donne, faut le savoir, mais bon, bon, les musiciens le savent, les artistes le savent, quand on monte sur scène, il faut avoir bossé à 150% pour être. On sait que sur scène, on ne sera pas à 100%, en tout cas, pas tout de suite. Donc, dans tous les cas, voilà, il faut avoir bossé, 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 être vraiment au taquet pour donner déjà je dirais, le minimum syndical qui après, bon, voilà, va monter le long en général du concert. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut toujours en plus essayer de commencer par des morceaux qu'on maîtrise très bien, où on n'est pas, pour pas être en, pour pas être, faut pas se mettre non plus en danger. Voilà, si on fait du soie élastique sans élastique, en général, on meurt, hein, Oui, c'est sûr. tout à fait, oui. Donc, à un moment donné, voilà, faut juste, voilà, faut y aller sécure, c'est-à-dire, voilà, j'ai bien bossé avant, je sais que je commence par des morceaux qui me sécurisent, et puis après, quand j'ai envie de lâcher les chiens, je lâche les chiens, et show must Ouais, bah ouais, go on. carrément. Mais voilà, après, il faut vraiment beaucoup travailler en amont, c'est-à-dire que, être, comment dire, aussi, une chose importante sur scène, c'est que le son, voilà, il faut qu'on soit dans des conditions de son qui soient optimum. Et ça aussi, c'est que votre son sur scène, ton son sur scène, c'est aussi ta sécurité. Faut que ton son, tu l'aimes, voilà. Et ça, c'est hyper important. Faut pas oublier ça. Moi, si j'aime mon son sur scène, j'aime bien être baigné, moi, voilà, il faut que je sois baigné dans le son de la guitare. Parfait. Si j'ai un petit son fluet de guitare, je suis pas bien. Il faut que je sente la force de l'instrument, la force de la pression acoustique, un petit peu aussi, ça me donne une motivation, ça me donne une force aussi, oui, enfin, tu vois En ce que je fait, veux il faut de l'immersion, en fait, vraiment dans le dire. Ouais, son. C'est ça, en fait. exactement. Mais Mais je j'ai comprends remarqué. tout à fait, ouais. Parce que moi, c'est exactement ce qu'il me faut aussi. Et ce qui est marrant, c'est que souvent, sur les concerts acoustiques que je peux voir, bon, c'est pas évident à sonoriser une guitare acoustique, mais même moi, quand je suis dans le public, j'ai envie qu'on m'envoie du son. Et souvent, on a un petit son un peu fluet. Non, envoyez du son. Moi, j'ai besoin d'avoir voilà, je veux du son. Je veux pas forcément un petit son fluet de guitare. Je veux du son. D'accord, ok. Waouh, Rock'n'roll. génial. Et si tu avais un conseil à donner à ceux qui veulent se lancer dans la guitare, quel serait-il? De changer de métier. Lol. Non, alors, j'ai pas beaucoup de conseils à donner à part déjà de se faire plaisir avec l'instrument, c'est-à-dire de pas comment dire de pas attaquer un instrument sous l'angle du côté scolaire ou travail, vous voyez ce que je veux dire, essayer d'être dans le ludique, parce que en guitare on peut vite se décourager, bon, on a mal aux doigts, nanani. Bon, non, à un moment donné, je crois que c'est déjà prendre la guitare sous l'angle ludique, c'est-à-dire se faire plaisir, se dire, tiens, je vais pas au bagne, hein. Je prends ma guitare et je me fais plaisir. Pour moi, c'est une bonne approche, c'est-à-dire déjà se familiariser avec l'instrument, avec le son, avec ce qu'on veut d'ailleurs, mais être vraiment dans cette attitude ludique par rapport à l'instrument, pour pas que ça nous fasse peur, pour pas s'en dégoûter. J'ai vu trop de gens se dégoûter parce qu'ils n'étaient pas des fois dans cette attitude un peu ludique envers l'instrument ou envers la musique en général, et je trouvais ça dommage. Et donc je dis pas qu'il faut
On peut être dans un état d'esprit ludique, mais en étant sérieux. On peut faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. C'est un peu ce que, voilà, c'est un peu cette analogie-là, ce que je veux dire. Donc, globalement, surtout, se faire plaisir. Parce que prendre une guitare dans les mains et jouer d'un instrument, c'est être actif. Hein. On n'est pas devant la télé en train de s'abrutir devant des conneries. Pardon, Oui. pour les gros mots. Couper au montage. Ouais. Magnéto, Serge. Donc, non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que voilà, on est actif quand on prend un instrument. Donc, il y a un côté, c'est plus facile d'être devant la télé que de prendre sa guitare, pour dire ce qu'il y a. Mais si, voilà, il faut changer le focus des moments de simplement se dire, je vais me faire plaisir sur la guitare, je vais pas faire des gammes. Non, alors si on a envie, oui, c'est très bien, mais il faut qu'il y ait l'envie derrière. Si c'est Oui. se forcer, je sais pas, alors après. Faut pas que ça devienne une corvée, quoi, en fait. Eh ouais. Alors bon, sinon, autre conseil important, c'est d'utiliser son petit doigt, pas enfin, surtout sur Oui. cette main-là. Bon, pour les amateurs de cinéma, ceux qui Shining, donc c'est ça, Red Redrum. Drum. Voilà, il y en a qui souriront. Donc du coup, ouais, souvent il y a des guitaristes qui me demandent, mais enfin, des gens qui débutent un peu. Le petit doigt, on est obligé de l'utiliser. Je dis ouais, bah oui, le petit doigt, il faut l'utiliser parce que ça permet de faire des trucs. Ça permet de faire, ben, ça permet de, voilà, on a cinq doigts. Bon, c'est vrai qu'il y a six cordes sur une guitare. Sujet philosophique. Mais voilà. Utiliser tous ses doigts et bien sûr le petit doigt, ne pas le, parce que c'est un doigt qui est très difficile à discipliner. Au début, tout le monde s'en plaint. Voilà, c'est un doigt qu'on a du mal un peu à discipliner, plus que les autres en tout cas. Et donc, bien sûr, utilisez le petit doigt parce que il vous sera utile pour faire des extensions d'accords, des trucs. Voilà, non, c'est important. Après, autre chose, qu'est-ce que je pourrais j'avais une idée qui m'était venue en tête. Vas-y, Oui, prends ton. les barrés. Non, mais les Oui. barrés pour, voilà, tu veux commencer la guitare. Il y a quand même un peu de souffrance, hein. Bon, entre la corne qui est pas encore faite sur les doigts, donc du coup, bon, ça fait un peu bobo. Donc Ouais. voilà, ça va, ça, en 2 3 semaines, ça passe. Mais bon, les barrés, voilà, faut. On peut passer son temps. Ouais. Voilà, on peut passer son temps à faire des tours. Hein. Voilà, mais bon, à un moment donné, il va falloir apprendre à faire. À faire des petits barrés, même si on n'en fait plus beaucoup. Avec le temps, on en fait peut-être moins, mais c'est important d'apprendre les bases. Et donc, les bases, ben, on apprend les accords, on apprend la rythmique, à faire une rythmique correcte, et pas à vouloir tout de suite taper les choristes de je ne sais qui, d'ailleurs, il y a tellement Oui, de bah en Satriani ou fait, de je ne sais qui. oui. Bon, ouais. Bah ouais, À un ça c'est moment se donné, taper dans le c'est mur. partir sur les Ouais, parce que je dis Non, mais souvent. voilà, c'est normal, on veut commencer la guitare souvent, on veut du gros son, machin, mais c'est bien de commencer par les bases un petit peu quand même. Mais on peut se faire plaisir avec les bases, hein. Ah oui, tout à fait, ouais. Il y a des trucs qui sont faciles à Donc faire, qui voilà, sont enfin tout bon, aussi plaisants. c'est Et d'ailleurs, petit voilà pour mes placement, petits hein. conseils, si je peux me permettre. Oui, tout à fait, ouais. Hein. Bah d'ailleurs, petit placement ici, hein, c'est que pour les barrés, j'ai réalisé un article sur le blog pour pouvoir les réaliser sans se faire trop mal et justement avec la bonne technique directement. Parce que voilà, comme on a toujours l'impression que le barré, en fait, il faut barrer toutes les cordes, mais ce n'est pas forcément le cas selon la position. Donc voilà, il y a des petites astuces, vous pouvez aller voir. Voilà. Alors, il faudra que tu m'envoies l'article. Ouais, ok. Ça marche, bah, je te l'enverrai. Tu me diras ce que tu en penses en même temps, comme ça. Comment? Alors, Julien, envoie-moi l'article. Ouais, ça Merci. marche. Ça Ouais, marche. Je te je te l'envoie. dirai. Je Ok. te dirai. Est-ce que tu penses qu'il y a des pièges à éviter aussi quand tu débutes? Enfin, oui, je pense que Attends, tu as un peu fait le tour là. Hein, je suis en train de me dire. Alors, des pièges à éviter, le piège à éviter. Ben, justement, c'est de pas de ouais de pas de d'éviter les bases par commodité, de se dire ouais, je vais rester à faire des power chords parce que j'ai pas envie de m'embêter à faire des barrés, ça va me faire mal à la main ou quoi. Non, c'est simplement moi je pense que voilà, les pièges, on se les met tout seul, hein. Je pense qu'il faut surtout se faire plaisir, j'en reviens là-dessus. Ouais, bah ouais, Si on se d'accord. fait plaisir, on avance.
Je pense que si on se fait plaisir, on avance. D'accord, C'est ok. mon point de vue. Après, voilà, je dis pas qu'il faut Oui, pas travailler, parce que les gens ne réalisent pas le travail que représente ce fait d'être instrumentiste, d'être musicien. C'est des heures, des heures, des heures, des heures passées à répéter. Enfin, d'ailleurs, le mot répétition porte bien son nom. Donc voilà, bon, mais encore une fois, on peut aussi se faire plaisir dans la mesure où on n'est pas obligé de penser travail, travail tout le temps. À un moment donné, c'est bon, faut se faire plaisir. Surtout quand on commence. Quand on commence, il faut pas se dégoûter. Donc, il faut rester dans un truc ludique. Fais-toi plaisir. Prends ton instrument. Si tu as Ouais. envie de taper dessus, tape dessus. Si tu as envie de faire. Tu fais ça, tu amuses-toi, fais-toi plaisir. Bah carrément, ok. Voilà. Où est-ce qu'on peut en apprendre plus sur toi, ta musique et tes projets? Alors, ben, tout simplement sur mon site oliviergéry.com, Ok. que je ne mets pas toujours à jour, bon, mais bon, on peut y trouver mes albums également. Alors, j'ai ma page YouTube, effectivement, voilà, où bon, je mets des vidéos assez régulièrement. Bon, j'avais pas mis depuis un certain temps, puis peut-être 2 mois que j'en ai pas mis, mais voilà, vous pouvez découvrir un peu mon univers. Il y a, ben, j'ai un Facebook également pour les dernières infos. Bon, c'est pareil, je suis pas souvent dessus, mais voilà, parce que je passe pas beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, mais je devrais peut-être, mais c'est pas mon truc. Mais D'accord. voilà. Donc, mais sinon, effectivement, donc mon site YouTube, Bandcamp, vous pouvez aussi trouver mes albums. Et puis voilà, je crois que j'ai ouais, mes albums qui sont là, je les montre. Hein, voilà. Les quatre, voilà, donc ça c'est le premier. Hein, je fais un peu de promo. Oui, Ça c'est le vas-y, fais-toi deuxième, Entre plaisir. ciel et, le fameux Entre ciel et terre. Ouais. Ensuite, nous avons Perspective, pardon, Perspective qui est là. Voilà. Ensuite, nous avons Chrysalide. Et ensuite, donc le dernier, A New Day, donc sous le pseudonyme Armand. Voilà, qui est un album dématérialisé, c'est-à-dire que il n'y a pas eu de pressage, donc il est disponible uniquement en téléchargement sur la plateforme Bandcamp Très et bien. sur mon site également. Alors, Voilà un petit je peu. vous annonce que tout est dans la description, hein, donc voilà, vous pourrez aller juste sous la vidéo pour retrouver notamment son site internet, les plateformes sur lesquelles on pourra le retrouver, ainsi que le lien vers Bandcamp. Ça. J'imagine donc que tu n'as pas de date prévue étant donné la pandémie. Évidemment que non. Voilà, tu n'as pas non plus de date en ligne. Tu n'as pas Alors, prévu? ce n'est pas quelque chose que je fais et je ne sais pas Ouais. si c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Ouais, Je ne ok. suis pas sûr que démocratiser la musique vivante en ligne soit une bonne idée, mais bon, après, Non, c'est mais je. mon point de vue. Ouais, tout à fait, ouais, tout à fait. Mon point de Après, vue. c'est vrai que moi, je ne me Donc, c'est un peu prononcerai le serpent qui se mord la queue, quoi. Bien, dans 10 ans, on restera tous chez nous. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est Je suis ça. pas intéressé, voilà, c'est un point de vue. C'est sûr que le spectacle vivant, dans la réalité, C'est c'est. Voilà, c'est un clair que sujet c'est. vaste et pour l'instant, c'est vrai qu'il y a tellement de questionnements par rapport à ça que bon, on verra, mais pour l'instant, disons que moi, c'est pas dans mes projets de faire des lives en ligne. Je finirai peut-être par le faire, hein, je veux dire, mais bon, les gars, Ça je sais pas. marche. Bon, ben, en tout On verra. cas, je te remercie grandement d'avoir consacré autant de temps à mon interview qui était Ben, c'était fort un intéressante. plaisir. Ben, Ben, franchement, merci. merci. J'ai passé un très bon moment en tout cas. Ben, moi aussi, j'ai pas vu le temps passer. Ah ben, c'est parfait. Ben, j'espère qu'en tout cas, nos auditeurs, enfin nos auditeurs, nos Nos auditrices. auditrices, auditeurs, et Ils non, sont mais nombreux. c'est, je sais plus, j'ai perdu le mot, mais ceux qui regardent des vidéos, en tout cas, les. Les Ouais, internautes, vous voilà, ça y est, je manquiez, vais y les arriver. internautes. Voilà, ont apprécié également la vidéo. Donc n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, un like, à partager aussi si vous avez aimé la vidéo. Et puis à commenter, bien sûr, donner votre avis. Et puis vous pouvez aussi me poser toutes les questions que vous voulez sur le site fingerstyle-guitare.fr. Allez, salut à tous! Au revoir. Ciao, ciao.